Bonjour et bienvenue sur Algomus. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la bibliothèque scientifique NumPy. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que cette bibliothèque, NumPy, va nous servir énormément dans le calcul des matrices que nous avons déjà vues. Effectivement, au travers des vidéos sur le calcul des matrices, nous avons vu qu'il est possible de créer en Python des fonctions qui vont s'occuper de faire de l'addition matricielle, de la multiplication matricielle, ou générer des matrices identité, ou ce genre de choses. Cependant, comme ce sont des choses qui sont quand même très répandues pour les personnes qui utilisent du calcul matriciel, eh bien, en fait, il y a des bibliothèques scientifiques qui existent pour Python qui contiennent déjà un grand nombre de ces fonctions. Et NumPy en fait partie. NumPy est très intéressant parce que justement, sa structure de base repose sur la matrice. Donc, on peut avoir des tableaux multidimensionnels, donc des matrices lignes, des matrices colonnes, des matrices carrées, ou même avoir des matrices qui dépassent deux dimensions. On peut avoir des matrices à trois dimensions, quatre dimensions, n dimensions. L'intérêt de NumPy également, c'est que la structure sur laquelle est basée NumPy va nous enlever un petit peu de souplesse par rapport à ce que nous apportait Python. Par contre, va rendre les calculs beaucoup plus rapides. Ce qui est derrière NumPy, c'est une version qui va utiliser uniquement des chiffres, uniquement des nombres dans les matrices, mais par contre, qui grâce à cette limitation, va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Les développeurs de NumPy disent que la rapidité d'exécution lorsque l'on fait du calcul avec NumPy est proche d'un programme C compilé, ce qui est quand même vraiment très rapide. Et donc, on va essayer de voir au travers de cette vidéo, on va essayer de manipuler un petit peu NumPy et on va voir quels sont les avantages que peuvent nous apporter cette bibliothèque. Alors, avant tout, pour pouvoir travailler avec NumPy, il faut déjà installer la bibliothèque chez soi. Et donc, la bibliothèque NumPy, comme la plupart des bibliothèques pour Python, est disponible gratuitement. Donc, c'est une communauté qui va s'occuper de l'évolution de la bibliothèque et qui va nous la mettre à disposition gratuitement. Donc, on va la retrouver sur numpy.org. Et là, en haut, vous avez directement le premier lien que vous avez en haut est Install. Donc, en cliquant sur Install, vous allez avoir tout ce qu'il va vous falloir pour installer NumPy sur votre ordinateur. Donc moi, j'utilise PIP, l'installateur de paquets de Python. Et vous allez voir que ça s'installe rapidement. Vous faites un pip install sur votre système dans une fenêtre de commande et vous installez NumPy. Donc chez moi, c'est déjà installé. Il va me dire que voilà, tous les packages requis pour pouvoir se servir de NumPy vont pouvoir déjà être utilisés. Tout est déjà disponible sur mon ordinateur. Donc on va voir un petit peu comment est-ce qu'on va utiliser NumPy. Je vous propose pour ça de passer sur Idle. Donc là normalement si vous avez installé Python, vous avez quelque part Idle, IDLE, qui est livré directement avec Python, qui est un interpréteur de commande. Donc c'est-à-dire que tout ce que vous tapez sous Idle, en fait, est interprété comme du Python. Et tout ce que vous tapez sous Idle peut effectivement également être intégré dans un programme Python, un fichier .py qui sera ensuite interprété en ensemble par l'interpréteur Python. Donc là aujourd'hui on va utiliser Idle parce que c'est un petit peu plus souple et on va rentrer un peu quelques commandes. Donc pour l'instant sans utiliser NumPy, quand on utilisait le calcul matriciel, on se créait une matrice et une matrice on disait en fait que c'était au final une liste de listes et je créais ma matrice 1, 2, 3. Comme cela, donc j'avais ma première ligne qui était 1, 2, 3, et j'avais ma deuxième ligne qui était 4, 5, 6. Voilà. Ça, c'est quelque chose que l'on pouvait faire quand je mettais entrée. Voilà, je définissais ma matrice. Si je voulais afficher ma matrice, ça me l'écrivait en tant que liste de listes. Je cherchais mes mots. Mais là, en fait, Python est assez souple pour que dans ma matrice, je puisse avoir des chiffres, je puisse avoir des chaînes de caractères, je puisse avoir des booléens, et tout ça mélangé. Et cette souplesse, en fait, ben, c'est une souplesse que m'apporte Python, mais par contre, c'est quelque chose qui va complexifier à chaque fois que je dois faire du calcul. Donc si je veux faire que du calcul mathématique, si je veux avoir que des chiffres ou des nombres, eh bien, en fait, NumPy va m'amener un avantage au niveau de vitesse, parce qu'il n'aura pas à vérifier à chaque fois ce qu'il y a dans les différents éléments de ma matrice. Et donc on va essayer de voir quelle est la différence qu'il peut y avoir
entre Python et les structures que l'on a déjà utilisées en Python. Pour cela, on va importer NumPy et on va lui donner un alias np pour qu'on puisse utiliser np à la place de NumPy à chaque fois quand on utilise une fonction de la bibliothèque NumPy. Donc l'import va prendre un petit peu de temps et va importer toutes les fonctions qui sont relatives à NumPy, et à partir du moment où l'import sera terminé, on pourra utiliser toutes les fonctions de NumPy. Donc la première chose que l'on peut voir avec NumPy, c'est déjà de créer finalement une matrice. Et comment est-ce qu'on crée une matrice avec NumPy? Eh bien, je vais créer ma matrice M2 par exemple. Et ma matrice M2, je vais l'utiliser avec... Je préfixe avec NP pour dire que c'est un objet de NumPy. Donc c'est un array, c'est-à-dire un tableau de NumPy. Et ce tableau de NumPy, eh bien, par exemple, je peux l'initialiser avec la matrice que j'ai déjà déclarée tout en haut, M1. Et si je fais ça, vous allez voir que M2, cette fois-ci, contient un tableau, un array. Vous voyez que la présentation n'est pas tout à fait la même. C'est un array NumPy qui contient également la matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pour l'instant, je n'ai pas vraiment révolutionné ce que j'avais à faire. La structure a l'air quasiment identique. Et vous allez voir que déjà, sur cette structure, j'ai énormément de propriétés. Par exemple, je peux chercher le nombre de dimensions de la matrice. Et vous allez voir qu'elle a 2. Donc effectivement, la matrice est de dimension 2, j'ai des lignes et j'ai des colonnes. Je n'ai pas d'une troisième dimension qui, par exemple, me concernerait une notion de volume. Je peux, par exemple, interroger NumPy pour lui demander quelles sont les dimensions de la matrice. Et la dimension, il va me dire qu'en fait, c'est une matrice de 2 lignes sur 3 colonnes. Donc vous voyez déjà que de base, j'ai énormément d'informations sur ma matrice. Pourquoi ça peut être intéressant d'avoir la dimension de la matrice? Eh bien, on a vu que pour pouvoir additionner 2 matrices, il faut qu'elles aient le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Et vous avez vu que pour pouvoir multiplier une matrice, il faut que la première matrice ait le même nombre de colonnes que la deuxième matrice à 2 lignes. Et donc, à partir du moment où on peut récupérer les dimensions de la matrice, eh bien, ça va être très facile de vérifier si 2 matrices sont additionnables ou sont multipliables. On a encore d'autres propriétés, par exemple, qui nous permettent de savoir combien il y a d'éléments dans la matrice. Donc il y en a 6. Donc c'est une information qui est complètement élaborable, puisque le nombre d'éléments dans la matrice, finalement, si vous avez 2 lignes et 3 colonnes, vous savez que c'est aussi 2 fois 3. Donc vous avez des informations redondantes que vous pouvez utiliser suivant ce quoi vous avez besoin. C'est à peu près les informations les plus intéressantes pour le calcul de matrice que l'on allait mettre en place. Et on va essayer de voir aussi comment est-ce qu'on pourrait créer une matrice différemment. Alors, il y a une façon très facile de créer un tableau en Python classique. Vous avez la fonction range. Si vous vous souvenez bien, range, c'est une fonction qui prend 3 arguments. Alors, il n'y en a qu'un seul qui est essentiel, c'est la limite haute. Si par exemple, je fais un range de 15, si je fais L égale range de 15, et je mets L, j'ai les valeurs de 0 à 15. L égale range. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Donc elle fonctionne avec un start, un stop et un step. Donc je pars de 0, j'arrive à 5 et j'ai un step de 1. Donc il garde range là-dedans. Je pensais qu'il allait me faire une liste. Si je fais for i in range de 5. Il garde l'objet range, je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. Print i 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc il me génère une liste, mais effectivement c'est une liste que je ne peux pas récupérer directement là-dedans. J'ai à peu près le même principe pour la fonction range quand je veux créer une matrice avec NumPy, et cette fois-ci la fonction s'appelle arrange. Et on va directement créer une matrice 3 et on va mettre dedans la fonction arrange de NumPy. Et donc je vais mettre arrange et je vais mettre aussi 15 valeurs dedans. Et là, on va voir que quand je tape M3, eh bien, j'ai récupéré un tableau de valeurs qui contient tous les nombres de 0
et qui sont inférieurs à 15. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc là, cette fois-ci, on va voir que si je prends M3 et que je prends une shape de M3, on va voir que j'ai 15 lignes, pas de colonnes. J'ai 15 colonnes, pas de lignes. Et donc, là, j'ai créé uniquement une matrice, en fait, qui est sur une seule ligne. Mais NumPy me donne la possibilité, en fait, de changer la forme de la matrice et de lui redonner, finalement, la forme que je veux. Par exemple, j'ai mis 15 valeurs dans ma matrice, mais je veux maintenant avoir une matrice sur 3 lignes et 5 colonnes. Et 3 fois 5, ça va faire les 15 éléments que j'ai là-dedans. Donc j'ai la possibilité de faire ce qu'on appelle un reshape, et je vais lui donner que je veux en fait que ma matrice fasse 3 lignes et 5 colonnes. Je vais peut-être le mettre un petit peu plus haut. Je veux que ma matrice fasse 3 lignes et 5 colonnes. Et bien, si je fais ça, vous voyez que cette fois-ci, le reshape a fonctionné, et je me retrouve avec une matrice qui se retrouve sur 3 lignes et 5 colonnes, avec les mêmes valeurs que j'avais en haut. Donc ça peut être très intéressant pour réarranger une matrice. Parce que si cette matrice ne me plaît toujours pas, je peux dire par exemple que je peux la reshape, cette fois-ci en 5 lignes et 3 colonnes. Et donc là, vous voyez qu'il m'a fait la matrice avec cette fois-ci 5 lignes et 3 colonnes. Donc ça peut être très intéressant aussi de passer par ce genre de fonction, pour avoir la matrice que l'on attend. Et vous voyez que les noms des variables, des noms des fonctions sont très proches finalement des fonctions que l'on avait déjà en Python. On a le range qui est ici, qui donne un ensemble d'éléments, avec le arrange qui est ici. Ok, très bien. Donc maintenant qu'on a notre matrice, on pourrait se dire comment est-ce que je peux accéder à ces différents éléments. Et on va retrouver une syntaxe qui est très très proche finalement de ce que l'on fait déjà avec les listes. Si je vais réutiliser ma liste, ma matrice M1 que j'avais fait ici, eh bien en fait pour avoir le premier élément de M1, il me suffit de dire que je veux l'élément qui est en ligne 0 et en colonne 0, et je vais retrouver l'élément 1. Donc c'est bien celui, l'élément que j'avais là. Ok. Pour une matrice de type NumPy, c'est un petit peu différent. On va cette fois-ci avoir une seule série de crochets, et on va séparer les différentes dimensions par des virgules. Donc si je veux le premier élément de ma table M3, je vais mettre 0, 0. Ah oui, c'est parce qu'en fait M3 ne fait pas un reshape sur place, c'est-à-dire que la variable M3 est toujours encore sur une seule ligne. Et donc si je veux l'avoir vraiment sur 5 colonnes, il faut que je passe par un reshape, et cette fois-ci, il faut que je mette le résultat du reshape dans une matrice. Cette fois-ci, j'ai mon reshape. Ok. Et donc maintenant, cette fois-ci, je peux avoir l'élément 0, 0 de M3 en mettant la ligne, virgule, la colonne. Et si j'avais encore une troisième dimension, je les séparerais encore avec des virgules. Donc on voit que l'accès est un petit peu différent. Par contre, il est vraiment très intéressant, c'est qu'on peut avoir une fonction de slice dans la sélection. Alors je m'explique. Si jamais, dans cette matrice-là, je voulais récupérer, par exemple, uniquement les lignes 1, 2 et 3, eh bien, je pourrais prendre, par exemple, la ligne, je partirais de la ligne 1, je prendrai la ligne 1, 2, 3, donc tout ce qui est en dessous de 4. Et pour les colonnes, je pourrais dire que je veux uniquement la colonne, que les deux dernières colonnes. Donc là, je prendrai la colonne 1 et qui soit inférieure à 3. Donc ça, normalement, ça va fonctionner. Et donc, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la ligne de 1 à 3. Donc j'ai récupéré 4, 7, 10, et j'ai récupéré uniquement les colonnes de 1 à 3. Et donc j'ai récupéré que cette partie de la sous-matrice. J'ai récupéré 4, 5, 7, 8, 10, 11. Et donc cette possibilité de filtrer par ligne et par colonne est vraiment très intéressante, et on retrouve un petit peu ce que l'on fait en SQL. On a cette possibilité en SQL de filtrer par le ligne
par les lignes dans la clause where, et on a cette possibilité de filtrer par les colonnes avec les colonnes que l'on met entre le select et le from. Et bien là, c'est exactement un petit peu la même idée. On peut intervenir sur les colonnes que l'on veut, sur les lignes que l'on veut, et on peut finalement filtrer une partie, une sous-matrice de la matrice existante. Donc ça, c'est un outil qui est très puissant pour récupérer une petite partie d'une matrice. Donc, on avait déjà vu la fonction shape, et la fonction shape, c'est quelque chose qui va nous permettre justement de savoir très rapidement si on est dans une matrice ligne ou une matrice colonne. Vous voyez qu'avec shape, on a le 5, et on voit que la matrice M3 est sur 5 lignes et 3 colonnes. Comment est-ce qu'on peut récupérer ces informations? Eh bien, il suffit finalement de mettre deux variables, ligne et colonne, et de mettre dedans M3.shape. Et ça, l'écriture de Python permet de dire que le premier membre va se retrouver dans ligne et le deuxième membre dans colonne. Et si maintenant je regarde ce qu'il y a dans ligne, eh bien, il va y avoir 5. Et s'il y a dans colonne, il va y avoir 3. Et donc ça va me permettre très facilement de savoir si je suis dans une matrice colonne. Et si je suis dans une matrice colonne, ça veut dire en fait que je n'ai qu'une seule colonne. Si je suis dans une matrice ligne, ça veut dire que j'aurai ligne qui est égale à 1. Et si je veux savoir si je suis dans une matrice carrée, eh bien il suffit de récupérer les deux éléments de shape et de voir si le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Et si c'est le cas, je suis dans le cas d'une matrice carrée. Donc encore une fois, ces propriétés peuvent nous amener énormément d'informations. On utilise souvent aussi des variables reconnaissables. Lorsque on a vu sur les systèmes d'équations, par exemple, on essayait de voir une matrice inverse. Et une matrice inverse, c'était quoi? C'était une matrice qui, multipliée par sa matrice inverse, donnait la matrice identité. On avait vu aussi la matrice opposée. Donc on avait une matrice qui, additionnée à sa matrice opposée, donnait une matrice nulle. Et donc on voit qu'il y a un ensemble de matrices comme ça, une matrice nulle, une matrice identité, qui sont utilisées très souvent dans les calculs matriciels. Et NumPy, la bibliothèque scientifique, nous permet également de retrouver ce genre de matrice. Donc une matrice identité, par exemple, ça se fait simplement avec la commande i et vous lui spécifiez l'ordre de votre matrice. Donc là, j'ai spécifié un ordre 3, et bien npi va me donner la matrice identité d'ordre 3. Et donc vous voyez que par rapport aux matrices que j'avais fait jusqu'à maintenant, la matrice npi, elle me donne des nombres décimaux. Moi, pour l'instant, j'avais des nombres entiers. Et ça, c'est une information que vous pouvez également retrouver avec le type, avec la fonction dtype. Vous avez la possibilité, par exemple, si je fais m3.dtype types, non, c'est pas, il n'y a pas de s. m3.dtype, on va voir que j'ai de l'int 32. Donc ma matrice 3, elle est remplie avec des entiers. Si je prends maintenant la matrice identité que j'ai générée ici, et que je regarde son type, il va me dire que cette fois-ci je suis en float, donc en nombre à virgule flottante. Et alors, vous voyez déjà, peut-être un petit souci, ou enfin c'est pas vraiment un souci, c'est que je n'ai pas la possibilité d'avoir le type de chacun des éléments de la matrice, mais j'ai un type global pour les éléments de toute la matrice. Et quel est le type finalement d'une matrice? Eh bien, c'est le type qui apporte le plus de précision parmi tous les éléments qui sont dans ma matrice. Si par exemple j'ai des entiers et des nombres à virgule flottantes, eh bien le type sera float 64 puisqu'il contiendra la précision la plus haute par rapport aux éléments que j'ai dans ma matrice. Donc c'est très important à savoir ça, c'est que la matrice est toujours d'un seul type. Et ça va un peu à l'encontre des listes que nous avions en Python, où vous pouviez avoir des listes qui contiennent, par exemple, je pouvais avoir une liste qui contient un nombre entier, un nombre à virgule, je pouvais avoir un booléen en plein milieu, et puis je pouvais avoir une chaîne de caractères. Ça, j'avais tout à fait le droit de le faire, voilà, parce que quand je faisais un type de L, eh bien, ce malin de Python me disait que c'est du type liste, et il ne s'encombrait pas de savoir quel était le type des contenus. Ici, comme on essaie de faire du calcul matriciel, eh bien, NumPy, lui, va nous imposer une précision pour la matrice. Et c'est cette précision qu'il va utiliser à chaque fois qu'il va faire
des opérations sur les matrices. Mais encore une fois, une matrice où on essaierait de faire des calculs avec, où on essaierait de résoudre des systèmes d'équations qui contiendraient coucou ou false, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément besoin au quotidien. Donc NumPy, en fait, s'axe énormément sur les nombres, et en fait, en restant sur les nombres, ça lui permet d'aller beaucoup plus vite et de faire beaucoup plus de choses. Donc il n'est pas aussi flexible qu'une liste de Python. Par contre, cette restriction sur la flexibilité va lui permettre de faire énormément les choses beaucoup plus vite. Donc il y a encore quelques propriétés que je voulais vous montrer. Donc on a aussi la possibilité, effectivement, en NumPy, de créer une matrice qui ne contient que des zéros. Donc ça, c'est très pratique quand vous avez à initialiser une variable. On avait vu déjà qu'on créait une matrice identité par rapport à une matrice vide et qu'on mettait que des 1 sur la diagonale. Donc là aussi, np0, c'est une fonction qui nous permet de créer une matrice nulle. Donc pourquoi est-ce qu'on peut en avoir besoin? Eh bien, on pouvait vérifier par exemple qu'une matrice est bien l'opposé d'une autre matrice si jamais, en les additionnant, on arrive à une matrice nulle. Donc la matrice nulle peut nous être générée et on voit que les paramètres de la matrice nulle sont finalement les dimensions de la matrice. C'est-à-dire que là, on est sur 3 lignes, 4 colonnes. Et donc, on peut très facilement spécifier en paramètres la même dimension que les matrices qu'on essaie d'additionner, pour vérifier qu'on a une matrice opposée. Comment trouver la matrice opposée? Là aussi, c'est très facile. Si je reprends ma matrice 3 que j'avais vue plus haut, si je veux l'opposé de ma matrice 3, eh bien, il suffit que je multiplie ma matrice 3 par moins 1, le scalaire moins 1, et vous voyez en fait que je vais réussir à avoir l'opposé de tous les éléments dans ma matrice, et en fait on s'aperçoit ici que la multiplication d'une matrice par un scalaire est déjà gérée directement avec le signe fois. Et donc maintenant, si jamais je voulais faire une vérification, eh bien, il suffirait de prendre ma matrice M3 et de l'additionner à M3 fois moins 1. Et on s'apercevrait que là, on aurait la matrice nulle. Donc effectivement, que moins 3 additionné de son opposé donne la matrice nulle. Donc là, vous voyez que sans essayer de chercher à comprendre, on a déjà beaucoup d'opérations qui sont déjà implémentées. Si je fais une matrice plus une autre matrice, eh bien cette... par le simple signe plus, cette addition fonctionne déjà. Si je multiplie une matrice par un scalaire, vous voyez que cette multiplication fonctionne déjà. Je n'ai pas à développer là une fonction spéciale qui va faire en sorte de multiplier chacun des éléments individuellement par ce scalaire. Dans NumPy, NumPy sait déjà que M3 est une matrice au sens NumPy du terme, et que, en d'autres termes, si je demande à cette matrice d'être multipliée par un scalaire, et eh bien NumPy c'est exactement ce que je veux en faire. La fonction est déjà définie dans NumPy, je ne suis pas obligé de la redéfinir. On a vu aussi pour la résolution de systèmes d'équations qu'il était bon de trouver la matrice inverse. La matrice inverse, elle nous permettait de résoudre les systèmes d'équations. Et donc là, on a aussi une fonction qui existe, qui s'appelle np. lin.arg.inv et qui va donner la matrice inverse. Alors, toutes les matrices ne sont pas forcément... Alors oui, là, je suis en plus pas sur une matrice carrée. Donc, on va essayer de se déclarer une matrice carrée. Je vais appeler A. Donc là, j'ai une petite matrice carrée qui est 1, 2, 3, 4. Et on va essayer de reprendre la fonction de calcul d'inverse. C'est vrai que j'ai défini des variables un petit peu random. Donc cette fois-ci, on va essayer de calculer la matrice inverse de A. 1, 2, 3, 4. On a la matrice moins 2, 1, 1.5, moins 0.5. Donc là, en fait, on voit qu'avec cette simple fonction, on arrive à calculer la matrice inverse d'une matrice. Donc ça peut aussi être très simple de passer par là. Même si ces fonctions sont déjà utilisées sur les calculatrices modernes, donc là on peut la voir. On pourrait la voir aussi par NumPy si jamais on cherche une matrice inverse. Donc j'ai parlé beaucoup des opérations sur les matrices, on va y revenir un petit peu. Donc on a déjà vu que la fonction shape va nous permettre de vérifier si deux matrices sont additionnables ou deux matrices sont multipliables, puisqu'on obtient d'ici des dimensions. On a la possibilité également de mettre
de faire des puissances sur les matrices. Là, par exemple, si je fais A puissance 2, donc cette fois-ci, la puissance se fait avec le sigle étoile deux fois, et bien là, en fait, vous voyez que j'ai mis la matrice au carré. Alors, il faut faire attention avec les sigles de NumPy. Là, j'ai l'impression que c'est pas A qui est multiplié par lui-même. Donc ça ferait 1 fois 1 plus 2 fois 6. Ouais, c'est pas la matrice qui est au carré. C'est pas, si j'ai une matrice A, c'est pas A fois A. Et vous voyez que c'est chaque terme qui a été mis au carré. Donc 1 fois 1 donne 1. Là, j'avais 2, 2 fois 2 donne 4, 3 fois 3 donne 9, et 4 fois 4 donne 16. Donc, on n'a pas le même résultat. C'est pas une multiplication matricielle. Ça, il faut faire attention avec NumPy. De temps en temps, il y a quelques petites incohérences. Enfin, c'est pas des incohérences, c'est que on peut aussi chercher à le calculer comme ça, mais on n'a pas forcément le résultat escompté. A au carré écrit comme ça, c'est pas A fois A, c'est au sens de la multiplication matricielle, mais c'est que chacun des éléments de la matrice est mis au carré. Donc on a la possibilité de faire une somme. Donc si je fais A plus A, par exemple, ça on l'avait déjà vu, cette fois-ci j'ai bien 2, 4, 6, 8, qui est en fait la somme de deux matrices. Donc là, la somme, elle, c'est bien la somme matricielle que nous avons déjà vue. Et cette opération est déjà implémentée dans NumPy. C'est pas la peine de jouer avec les index, d'essayer de parcourir les lignes, d'essayer de parcourir les colonnes. On a déjà ça en place pour faire une addition matricielle. On a vu la possibilité de faire justement aussi le produit par un scalaire. Si j'ai ma matrice A qui est 1, 2, 3, 4, et bien si je la multiplie par moins 1, j'obtiens la matrice opposée, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc la multiplication par un scalaire fonctionne aussi facilement. Chacun des éléments est multiplié par le scalaire que l'on définit. Donc on a la multiplication terme à terme, et ça c'est peut-être une petite source d'erreur dans NumPy. C'est que je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a des opérations qui sont un peu traîtres, et si je faisais A fois A, en fait on s'apercevrait que j'aurais exactement la même chose que quand je faisais A au carré. Et ça, c'est pas de la multiplication matricielle, c'est juste que chaque terme a été multiplié par chaque terme. 1 a été multiplié par 1, 2 a été multiplié par 2, 3 a été multiplié par 3, et 4 a été multiplié par 4. Donc c'est pas la multiplication matricielle au sens où on l'a vu, lors des cours sur les matrices, mais c'est une multiplication terme à terme. Donc il faut faire très attention avec ça. Parce que la multiplication matricielle, elle, va s'écrire avec un arrobas. Donc si je fais A arrobas A, cette fois-ci, je vais vraiment avoir ma multiplication matricielle. Le 7, là, il résulte tout simplement de 1 fois 3 plus 2 fois 3, ça va faire 2 fois 3, 6, plus 1, 7. C'est ça, 2 fois 3... Non, c'est 1 fois... Ça va être 1 fois 1 plus 2 fois 3, 6. Ouais, donc ça va être 6 plus 1, 7. Donc là, effectivement, avec l'arrobas, cette fois-ci, on est bien sur la multiplication matricielle. Donc attention de ne pas se faire avoir. La multiplication avec le signe fois, tel qu'on l'utilise le plus souvent dans des langages de programmation, c'est une multiplication terme à terme. Si on veut une multiplication matricielle, il faut utiliser l'opérateur arrobas. Et donc, si je voulais reprendre le petit problème qu'on avait fait dans notre résolution d'équation, vous vous rappelez, j'avais, dans la précédente vidéo, j'avais dit par exemple que moi j'étais passé à la boulangerie, j'avais acheté deux parts de tarte et trois baguettes, et ça m'avait coûté 7 euros. Je vais réécrire les données du problème ici. J'avais acheté deux tartes plus trois baguettes, ça m'avait coûté 7 euros, et mon ami Bob avait acheté trois tartes et quatre baguettes, et ça lui avait coûté 10 euros. On va essayer de voir comment on peut résoudre avec NumPy ce petit système d'équation. Et bien, on va déjà commencer par mettre les coefficients dans une matrice. Donc je vais prendre une matrice, je vais appeler C comme coefficient, et je vais déclarer un NumPy array dans lequel je vais mettre les données de mon problème. Donc je vais avoir
2, 3, 3, 4. La matrice, je vais reprendre les coefficients. Donc je vais avoir 2, 3, 3, 4. Et je termine ici. Donc on vérifie bien que ma matrice est en place. J'ai bien mes coefficients 2, 3, 3, 4. D'un autre côté, je vais aussi prendre la matrice des résultats qui va contenir 7 et 10. Donc ma matrice résultat, je vais l'appeler R. Je vais encore une fois faire un arrêt. Et cette fois-ci, alors notez bien, j'ai bien une matrice de deux lignes et d'une seule colonne qui contient d'éléments 7 et qui contient d'éléments 10. Notez bien comment ça s'écrit. Donc j'ai ma matrice résultat qui contient 7 et 10. On va vérifier que tout est OK. J'ai OK. Donc j'ai bien ma matrice des coefficients C et ma matrice des résultats R. Et donc, qu'est-ce que je vais faire là? Eh bien, on avait vu que il me suffisait pour trouver la valeur des x, si vous vous souvenez bien la démonstration dans la vidéo qui contient le système d'équations résolu avec des matrices, on avait vu qu'on avait la matrice inverse multipliée par b qui nous donnait finalement le résultat des x. Alors comment je vais faire pour calculer a de moins 1? Eh bien a de moins 1, on l'a déjà vu, il y a une fonction qui existe. Inal.inv de ma matrice de coefficients. Voilà. Et vous voyez que cette fois-ci, j'ai donc l'inverse de ma matrice de coefficients. Et donc, pour trouver le résultat, il suffit que je multiplie l'inverse de ma matrice des coefficients par ma matrice de résultat. Oui, alors là, j'ai de nouveau utilisé la multiplication terme à terme. J'aurais pas dû. Moi, ce que je veux, c'est la multiplication matricielle, donc avec un arrobas. Ça, c'est quelque chose, je pense que je me tromperai encore assez souvent. Et vous voyez que l'on récupère un tableau, une matrice, cette fois-ci, qui contient 2 et 1. Et donc, suivant notre problème, on avait dit donc que T, c'était les parts de tarte, qui vaut 2, et B, c'était les baguettes, qui vaut 1. Et donc, 2 parts de tarte, ça fait 2. 2 parts de tarte à 2 euros, ça fait 4. 3 baguettes à 1 euro, ça fait 3. 4 plus 3 égale 7. Donc là, le premier est déjà bon. Donc 3 parts de tarte à 2 euros, ça fait 6. 4 baguettes à 1 euro, ça fait 4. 6 plus 4, ça fait 10 euros. Et donc, j'ai bien résolu mon problème. Donc une part de tarte coûte bien 2 euros. Une baguette coûte 1 euro. Et en fait, NumPy va même plus loin que ça. Il va vous permettre d'utiliser une fonction qui s'appelle np.linalg.sol, dans lequel vous pouvez rentrer directement votre matrice des coefficients et vous mettez votre matrice résultat. Donc là, cette fois-ci, je me casse même pas la tête à inverser ma matrice. Je lui donne ma matrice des coefficients, ma matrice des résultats, et vous allez voir qu'il va me donner... Oui, non, c'est pas B. C'est la matrice des coefficients et la matrice des résultats. Et là, vous voyez qu'il me donne exactement le même résultat qu'avant. Il a utilisé la fonction solve, donc la fonction de résolution, sur ma matrice des coefficients et ma matrice des résultats, et il m'a trouvé quelle était la valeur de mes deux inconnus. Donc là aussi, vous voyez que c'est beaucoup plus simple de passer par là pour avoir les résultats. Et vous voyez également que les fonctions qui sont le plus souvent utilisées, comme les multiplications matricielles, les additions matricielles, ou même la définition de matrice, en fait, ce sont des fonctions qui sont déjà utilisées la plupart du temps dans des bibliothèques qui sont implémentées. Donc c'est pas la peine à chaque fois de refaire la roue. On peut utiliser des librairies qui sont déjà en place et qui s'occupent déjà de ces opérations basiques. Et en plus, ces librairies sont souvent très optimisées et vont très vite en termes d'exécution. Là, on l'a vu, la librairie NumPy, par exemple, parle d'avoir une exécution, d'un temps d'exécution qui est proche d'une version programme mis en C qui est compilée. Donc c'est quelque chose de très rapide pour du Python. Et on garde quand même la flexibilité du langage Python. Donc on vient de voir énormément de choses sur le calcul matriciel au travers de NumPy, et on s'est aperçu qu'effectivement beaucoup de choses étaient déjà en place, beaucoup de fonctions existaient déjà, même la structure était vraiment déjà adaptée à ce qu'on voulait en faire dans NumPy,
et que finalement, pour pouvoir s'en servir, la seule chose à faire, c'était d'installer NumPy et de l'importer dans les programmes où on en avait besoin. Et on a vu qu'on pouvait facilement générer des matrices identité, des matrices nulles, enfin, un grand nombre d'objets qui vont nous servir finalement pour la résolution des problèmes que nous avons devant nous lorsque nous traitons des matrices. Et les matrices, c'est quelque chose qui va revenir dans différents sujets, puisque les graphes, par exemple, peuvent aussi être traités comme des matrices, puisque un graphe peut être représenté avec ce qu'on appelle une matrice d'adjacence. Et donc, NumPy va vraiment nous aider à avoir un calcul qui est vraiment très rapide sur ce genre de choses, sur les matrices, sur les graphes, sur le traitement d'images également. À chaque fois qu'on a à représenter quelque chose qui est en deux dimensions ou en trois dimensions, en fait, NumPy va nous apporter une aide qui est assez énorme et va nous amener toutes les fonctions déjà disponibles pour refaire le calcul. Et puis, on va voir en fait que NumPy aussi, lorsqu'on aura un très grand nombre de données, va être beaucoup plus rapide que la version liste de Python. Donc là aussi, ça va être toujours à nous de choisir quelle est la meilleure structure à utiliser. Si on est sûr qu'on n'a que des valeurs numériques et qu'on veut avoir un temps de calcul très rapide, il faudra basculer sur NumPy. Si par contre on veut garder la flexibilité de pouvoir gérer dans une même structure des nombres, des booléens ou des chaînes de caractères, là on va rester sur les listes de listes telles qu'elles sont définies en Python. Mais NumPy apporte justement cette souplesse et lorsque on est en calcul matriciel et lorsqu'on est en calcul scientifique, ça apporte vraiment un plus. Donc, je voulais vous montrer à travers cette vidéo cette petite découverte de NumPy et qu'elle peut nous simplifier, cette bibliothèque peut nous simplifier la vie lorsque l'on fait du calcul matriciel. Donc je vais vous laisser encore un petit peu jouer avec NumPy, de voir un petit peu les avantages de cette bibliothèque. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.